Eh bien, salut à tous, c'est Fixie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, tuto. Je vais vous montrer comment mettre en privé et en non répertorié une playlist. Allez, c'est parti. C'est parti pour la manipulation. Donc là, on est sur YouTube Studio. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de playlists. On va en prendre une, vas-y, on va prendre celle-ci. Vous appuyez sur le petit stylo. Dès que c'est fait, vous allez aller ici. Donc là, comme vous pouvez voir, la playlist est en public. Alors, certes, il n'y a aucune vidéo, mais s'il y en avait, les vidéos seraient visibles par tout le monde. Vous, imaginons, vous voulez la mettre en non répertorié. Ben, vous avez juste à faire ça. Vous cliquez ici, tac, voilà, en non répertorié. Donc, non répertorié, qu'est-ce que c'est? Visible par toute personne ayant le lien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un lien affilié en quelque sorte, un lien qui vous permet tout simplement d'aller uniquement sur cette playlist. Et sinon, vous pouvez aussi la mettre en privé. Vous seul avez accès à ce contenu. Voilà. Donc, c'est vraiment super simple. Je vous remontre. Vous allez sur une playlist, tac, imaginons celle-ci, petit stylo. Et on va ici, on vient ici, juste là, tac, public, non répertorié ou privé. À vous de choisir. Donc voilà les amis, j'espère que le tuto vous aura plu. Et voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires ainsi qu'à vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, peace.